Demandez à Sandrine de regarder cet écran. Ouais. Sandrine, il y a une surprise pour toi. Sandrine est née après 4 garçons. C'est-à-dire qu'elle est 5e d'une fratrie de 5. Donc, elle est née après 4 garçons. Moi, elle était enfant. Enfant, Sandrine n'était pas très différente de son frère. Elle voulait être pareille comme son père. Ils jouaient ensemble. Ils faisaient tout ensemble. Maintenant, quelle a été ma réaction quand elle m'a présenté Adam comme son ami qui devait devenir par la suite son mari? Ma réaction a été, je n'étais pas très surprise, parce que ce jour-là, elle nous a trouvés, j'étais à la maison, un soir, j'étais avec son père. Elle est venue nous trouver avec son ami et elle nous l'a présenté. Déjà, j'avais déjà reçu quelques écoutes venant de Libreville où son frère était son frère. J'ai donc eu ces écoutes-là et j'ai même eu les photos. Je connaissais déjà un peu la personne. Tout ce que son père et moi, nous lui avons demandé, c'était est-ce qu'elle est vraiment prête? Est-ce que c'est vraiment l'amour de sa vie? Elle nous a dit que oui, c'est son amour. Elle est décidée à partir. Il est doux. Elle nous a dit qu'il était chez Bamenda. Bamenda, tu vas aller là-bas? Oui. Nous allons vivre ensemble. Ah, oh. La maman, maman Brigitte, c'est ça? C'est toi qui? Non, Lucie. Personne de nous, ouais. La maman a cassé tous les papiers. Elle fait comment? Non, on a fait comme on a pu. Sincèrement, on n'entre pas dans les détails. On ne veut pas entrer dans les détails. On n'entre pas dans les détails. Wow. Mais tu le sauras peut-être d'ici là. À l'instant, on va retrouver, avant de se quitter, Ada et Sandrine, l'interview, moi, lui et le feu. Voilà.